la zouz, c'est toi, t'es trop forte. J'espère que les mecs de la fibre le réaliseront. J'étais censée juste passer faire un petit coucou, mais bon, on est là, hein. Bah, on fait comme on peut. Je suis désolée, je vous embrigade dans mes histoires de pot. Il a réussi à faire un pot avec la bouillasse. Mais, non mais, alors, Bébert, je pense que dans deux semaines, Averse, il nous dit qu'il plaque tout pour devenir potier. J'ai dit 2 mois sur Twitter, mais en vrai, je pense qu'on est sur les 2 semaines. Et voilà, pendant qu'on parle, quand on parle du loup, Averse, on est en train de se dire que là, la plante que t'as là, vu la gueule que je t'ai fait, je peux te dire hein, que c'est pas un petit potos et que t'es bien défoncé. Oui, Yumeko, c'est exactement ça, coucou. Je suis désolée, Averse, je suis en train de te détruire. Genre, vraiment, pardonne-moi. Genre... Il est fou! Faut que j'amène l'œil plus par là, je crois. Oh, je crois que je vais juste empirer la situation. Ça va bien, et toi, Yumeko? Averse, est-ce que tu accepteras le mug tel qu'il est? Peu importe. Pour le meilleur et pour le pire. Dans je sais pas quoi, mais surtout l'adversité. Moi, je pense qu'on y va et qu'on voit. Je pense qu'on y va comme ça, et puis on... Il me fait peur. Il me fait peur. Je pense qu'on y va, et on voit. Et on voit, genre, on voit bien ce qu'on a. Non? Tu viens me poser pour chiller. Bah là, t'inquiète, on va pouvoir admirer Averse vraiment au top de sa forme. Hein. Comment va le petit pot, du coup, Averse? Parce que Bébert demandait. Bébert se demander comment allait le petit pot. Bon, let's go, hein. Alors, on va changer de peinture, parce que là, on prend pas du cobalt. Là, on part sur... du l'underglaze. J'ai déjà un pot. On va remettre un peu d'eau. Hop. Petit pot. Mais oui, du coup, j'ai fini les petits chats. Ah mais creep as fuck, je suis désolée. C'est pas du potos, mais je suis désolée à faire. C'était vraiment pas prévu de ne pas te respecter comme ça. Et repaume. C'est bon, le colis est tout bien. Ah, je suis désolée à faire. Oh putain, c'est parti plus vite que je ne le pensais. Vous voyez, on a deux patates. Et puis ensuite, on a quelque chose, quoi. Petit pot, je l'ai mis sous un torchon humide pour continuer tout à l'heure. Ok. Et il a craqué plus ou pas? Ah, j'ai acheté des enveloppes craft pour en mettre une dans le carnet de luxe. Pour mettre... Oh, c'est trop mignon. T'as pu récupérer tout ce qu'il fallait? Ou t'as dû harceler d'autres personnes comme moi? Tu sais que vraiment, j'y ai repensé, paume. J'étais dans le métro et tout, en rentrant de mes cours, j'étais en mode, il faut absolument que je le fasse, sinon je vais me faire taper dessus par paume. Est-ce qu'on commencerait pas par les yeux, pour vraiment voir un petit peu ce qu'on a? Ok, bah ça marche à verse. Parce que j'ai cru que tu me disais que ça s'était fissuré. Je harcèle tout le monde. En soi, c'est peut-être la tête de quelqu'un dépité de pas avoir la main verte. Ah, tu n'as pas trop la main verte, Yumeko? Merde. Ok, il est en train de chialer. Attendez, j'ai dérapé. Mes plantes sont des warriors pour celles toujours là. Oh non! Mais attendez, regardez, faudrait que je vous montre. Ah, je dois pouvoir le faire comme ça. Alors attendez, on fait un test. À tout moment, il y a tout qui coupe, il y a la caméra qui se coupe ou quoi que ce soit. Hop! Si je monte ça là. Parce que j'ai bougé une de mes plantes et je l'ai mis à un autre endroit. Ok, vous voyez. Oh, vous voyez, Inception. Mais du coup, là-bas, là, j'ai mis mes plantes.
Ah non, attendez, vous tombez. Regardez. Là. Et j'aime trop. Comme ça, elle tombe un peu. Et je me dis... Tremblement de terre, un peu, ouais. Je me dis, imaginez si genre elle se met à vraiment tomber tout le long. Ce sera pas trop beau, parce que du coup, là, il y a mon tour. Hop. Et là, j'ai très envie de qu'elle tombe tout le long. Mais je me dis qu'elle risque de brûler là où elle est. Mais normalement, là, ici, il y aura des... Genre, ce sera tout en hauteur, et du coup, je pourrais la mettre un peu en dessous. Je pourrais la mettre un petit peu tout en dessous. Et là, j'en ai une, celle qui est dans la théière. Celle-ci, là, elle grimpe à fond. Elle est en train de devenir super grande. Voilà. Petit rideau végétal, j'aimerais bien. T'as fait des théières? Oui, alors... J'ai fait des théières, mais enfin, je peux te montrer. Je vais te montrer ça. Tu vois? Attends. Attends, je vais me mettre là. Hop, voilà. Comme ça, on est bien. Donc là, je suis pas sûre que vous m'entendez. Attendez, je vais me mettre. On va bouger. Hop. Ok, on est sur moi. Donc j'ai cette théière, qui est ma toute première théière. Et du coup, si celle-ci, le problème, c'est que... on m'entend, ok. Oui, c'est une prison. Non, celle-ci, le problème, c'est que le couvert qu'il y avait, en fait, il tombait dedans. Il tenait pas. Mais du coup, ça rend bien. Mais donc, le couvercle tenait pas dedans. Et je crois qu'elle versait pas non plus. Parce que j'avais fait des trucs qui étaient trop fins. Ensuite... Celle-ci, bah, juste, en fait, elle coulait mal. Donc je lui ai mis une petite touffe qui clairement il faut que je m'en occupe parce qu'elle a un peu... Enfin bon voilà, elle est pas au top de sa forme. L'odème et ses plantes. Mais oui. Mais du coup c'est très mignon. En fait il aurait fallu que je fasse une anse et tout mais... Elle est pas au top. Et... J'ai fait celle-ci aussi. La poussière, attendez. Attendez, elle est un peu poussiéreuse. Et j'avais fait celle-ci, genre cette grosse théière là. Hop. Mais c'est pareil, en fait, elle a pas de anse. Il faudrait que j'ai une anse et tout. Puis elle est très vieille, je pense qu'elle verse pas bien. Elle est aussi extrêmement poussiéreuse. Mais le problème, c'est que là, à l'intérieur, c'est pas ouf pour mettre une plante. Mais sachez que quand vous avez une théière qui est cassée ou une théière qui est moche, en vrai, mettre une plante dedans, c'est trop bien, ça rend trop bien. C'est trop trop bien. Hop. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah bah vous voyez, là, celle-ci,